C'est au cours des siècles, les gens se sont dit de bouche à oreille, quoi, que bon, bah, qu'ils étaient guéris plus ou moins de maux pour les yeux, pour les articulations, pour tout un tas de, pour, oui, mais pour la fécondité en particulier aussi. À l'origine, oui, c'était un peu des ex-voto, quoi. Que les gens faisaient une croix en remerciement, si on peut dire. Et puis après, bon, c'était. Bon, il y a toujours des ex-voto. Je ne sais pas forcément, mais il y a des fois, on peut lire sur des petits trucs en remerciement de telle ou telle chose. Et puis maintenant, c'est un peu devenu une coutume. Les gens, quand ils viennent, ils font une petite croix en bois qui plante. Ah, mais je viens parce que l'eau, ça. Moi, j'ai l'impression que ça me fait énormément du bien, vraiment du bien. C'est plus la raison que je viens récupérer l'eau parce que l'eau, on a analysé l'eau par rapport à l'eau des viandes, comme il a analysé. Ah, ben, c'était plus naturel celui-ci. C'est naturel et l'eau du robinet aussi, c'est pas la même chose. Moi j'y crois beaucoup parce que moi je suis de la Martinique et puis la Martinique, les gens dans les Antilles, les gens ils y croient beaucoup, ils prient beaucoup. Et puis quand moi je vois ça, ben ça m'attire. Moi je trouve que c'est un lieu sacré quoi en fait.